Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer des designs de barrels. Allez, place à l'intro. Alors, aujourd'hui, chers amis, je vais vous présenter, comme j'ai dit, des designs de barrels. Alors, je vais commencer par des gros designs, donc des ouvertures de barrels. Et après, je vais vous présenter du coup des petits barrels. Donc, voilà. Donc voilà ces petits barrels. Du coup nous avons des gros barrels. Voilà. Du coup je vais juste donner un petit détail. Ceci peut être retiré, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Hein. Vous pouvez retirer ça, poser directement au sol. Voilà, dans votre cave à vin. Vous pouvez réduire la taille si vous voulez. Voilà. Mais ça fera toujours du 3x3. Donc. Après on peut peut-être réduire avec que des escaliers, mais. Moi j'aime pas trop ce design là parce que du coup on peut pas ajouter de détails. Ce que j'appelle les détails c'est ça. Petits crochets, des petits trucs. Voilà. Bon. Du coup, pour cet épisode, je vais vous montrer du coup le simple bouton. Voilà. Donc l'avantage de ce système là c'est que vous pouvez par exemple mettre ça dans un mur à partir de là. Et du coup quand vous appuyez sur le bouton du barrel, ça ouvre une porte par exemple. Ou n'importe quoi. Ça peut être sympa. Donc, je vais passer au suivant. Un bouton. Il est toujours là, il est toujours existant, ce petit bouton. Ah oui, j'ai utilisé ce bois-là parce que ça me faisait penser au liège, mais vous pouvez changer le bois, hein, bien évidemment. Pareil pour les barrels. Hein. Du coup, l'item frame avec le bloc de bois de Dark Oak, avec le bouton de Dark Oak, ça va très bien ensemble. Vous pouvez bien sûr mettre du birch, tout ce que vous voulez, hein, même du spruce, même là c'est du spruce, donc ça ferait bizarre. Passons au suivant, le petit crochet. Hein, le petit crochet de redstone qui s'appelle, je sais plus, tripwire, voilà. Donc ça peut être sympa. Passons, tripwire walk avec, exactement pareil que pour le bouton, l'item frame avec son petit bloc. Et celui que j'aime bien moi, c'est celui-là parce que en fait il est plein. Oui, il est plein. Voilà. Donc ça peut être pratique par exemple pour faire circuler des items comme décoration. Voilà. Donc c'est un petit truc, c'est sympathique. Ouais, bon, c'est vrai, le barrel fuit un petit peu, mais ça c'est pas grave. Passons aux barrels les plus importants quand vous faites des décorations de base. De base. Hein. Par exemple, vous avez un port, faut mettre quelques décos, hein, forcément, des petites cagettes, des petits trucs, des machins. Voilà. Donc là, nous en avons deux. Allez, on commence par deux. Alors, il y a le nut block avec sa petite plaque de pression, sa dalle et sa... comment je sais plus comment ça s'appelle, merde. C'est la trappe, voilà. Ce serait con puisqu'il y a un design là. L'avantage de design là, c'est que bah, vous pouvez la répartir partout. Donc voilà. Bien évidemment, je vais vous montrer dans la suite de l'épisode un petit truc que j'ai fait qui montre tous ces petits barrels là, côte à côte quand ils sont mélangés. Alors, il faut savoir que il y en a deux. Ceux-là. Alors, vous avez le petit barrel, voilà, donc si vous voulez, vous pouvez mettre de l'eau là, ça peut être sympa. Je vais même le faire, pour vous montrer. Ça peut être sympathique. Hein. Voilà. Pourquoi pas. Après, ça peut être aussi pratique, ce petit design là, celui que j'ai fait là, puisque vous pouvez du coup descendre dans vos mines. Et voilà, ça peut être sympathique. Et après vous redescendez. Je lag, c'est bon. Du coup voilà, vous pouvez redescendre, ça peut très bien fonctionner. Voilà. Donc voilà pour ce design de trappe et de caisse particulière. Ensuite, l'avantage de celui-là, c'est que c'est des tables de craft. Maintenant, donc toujours la plaque de pression. Du coup pour ce design-là, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. L'avantage, c'est du coup le fait qu'on puisse crafter, et comme d'habitude, hein, la dalle, la carte, la trappe et la plaque de pression. Bon, à éviter de mettre côte à côte, hein, parce que c'est chiant, au bout d'un moment. Donc voilà pour ce design-là. Hein. Passons au suivant.
Les coffres, bah oui, bah, faut mettre des coffres hein, dans vos designs, hein, parce que sinon c'est nul, c'est ennuyeux, c'est pas marrant. Donc voilà. L'avantage, du coup, c'est que vous pouvez mettre des items dedans. Hein. Là, il n'y a que des coffres hein, au passage, je suis en 1.14. Si vous voulez faire cet effet-là, vous pourrez utiliser bien évidemment les trapped chests dans les autres dans les versions inférieures. Pour poser ces coffres-là double, utiliser des blocs derrière, hein. Peut-être pratique. Voilà. Donc passons au barrel en tant que tel. Voilà, ça c'est un barrel, ça c'est un vrai barrel. Qui stocke aussi. Donc il peut aussi stocker. Du coup, là j'ai pas mis, hein, parce que ça sert à rien si je mets une trappe d'or, ça va. C'est moche si je mets. Ouais. Bref. C'est moche quoi. Du coup. Là nous avons notre petit barrel avec la plaque de pression, la dalle et le truc. Donc comme vous avez vu, hein, j'ai fait des tas à chaque fois pour que ça fasse un petit truc, hein. Mais tout seul, c'est vrai que c'est moche. Et là, du coup, j'ai mis un barrel, que celui-là, vous pourrez le réutiliser pour vos autres trucs, hein. Bah, pour faire des barrels comme ça, plus petits. Voilà. Donc avec, du coup, un échafaudage. Merci pour ce nom de merde, Mojang. Ça s'appelle scaffolding, d'accord. Je sais même pas ce que ça signifie, si ça se trouve, c'est échafaudage en anglais. Je suis nul en anglais. Donc voilà. Du coup, celui-là, regarde là, en passage, voilà. Un peu de sympa. Essayez aussi de jamais de varier l'angle des trucs. Bon, passons au composteur. Voilà, le petit composteur qui ressemble aussi à un barrel si on regarde pas en détail. Mais de loin, ça rend bien, ça fait le petit barrel, hein, je vous l'assure. Donc du coup, toujours avec la petite trappe. Voilà. Donc ça peut être super marrant. Si vous voulez. Nous avons la baignoire. Non, je rigole. Hop. Et du coup, la dalle. Voilà. Donc, après, vous pourrez du coup l'utiliser pour mettre vos seeds et mettre du coup récolter de la bonne mille. Et bah, les amis, je crois que c'est fini. On a fait le tour de ces petits barrels, mais juste avant, je vais vous montrer une image. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure. Du coup, je vais vous montrer une image. Donc, là, voilà. Les amis, voilà cette image. Cette image qui est au final l'ensemble de tous les barrels que je vous ai montrés. J'ai pas mis les coffres. Bon, après les coffres, vous les mettez n'importe où. Hein, voilà. Mais voilà à quoi ça rend quand il y a un petit tas qui est formé avec tous les barrels que je vous ai montrés, les petits. Donc ça peut rendre super joli. Bon, après, faites des plus petits tas comme j'ai fait dans le reste du truc. Hein. Là, c'était vraiment pour la bannière aussi de cette vidéo. Du coup, c'est la bannière de cette vidéo. Le fond, du coup. Et voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Du coup, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, de partager, ça me permettra d'être connu, de commenter si vous avez d'autres idées de design que je pourrais réaliser en vidéo. Allez, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Et n'oubliez pas, le build, c'est bien. Allez, à la prochaine tout le monde!